Cachée dans le creux des montagnes de Chara, surgissant de la roche, la ville de Petra fascine et émerveille. Construite il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens, Petra a pris de nombreuses couleurs au fil des siècles, mais la cité rose n'a jamais perdu de son éclat. Un site archéologique envoûtant où se mêlent les influences de traditions orientales anciennes et de l'architecture de la Rome antique. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que notre voyage en Jordanie commence. Bonjour à tous, bienvenue dans le spot et bienvenue en Jordanie pour la Jordan Running Adventure Race. Un voyage somptueux, plusieurs parcours dans le désert du Wadi Rum au départ de Petra. On découvre ça aujourd'hui dans ce numéro. Tout de suite, le sommaire. Au sud-ouest de la Jordanie, le désert du Wadi Rum nous transporte hors du temps. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO naturel et culturel, le Wadi Rum cache de nombreuses richesses. Ses imposants murs de graisse surgissant des plaines désertiques laissent entrevoir des vestiges des mondes passés. Au nord, dans le creux de la région montagneuse d'Edom, Petra, nouvelle merveille du monde, surgit de la roche. Une ligne de départ épique pour la Jordan Running Adventure Race. Aujourd'hui, dans le spot, on vous emmène au cœur de cette nouvelle édition. Une course atypique et intime dans l'authenticité des paysages du Wadi Rum. Entre deux étapes, on ira du côté de la Catalogne. Retour en image sur l'Acro Games 2019 à Orgagna et la victoire du parapentiste français Théo Deblic. Mais pour commencer, tour d'horizon de vos prochains rendez-vous de l'outdoor. Tout de suite, l'agenda. C'est pas le camp, Pierre. Non, c'est pas un virage là, mais... La tournée Montagne en scène revient en France et en Europe à partir du 18 novembre. 5 films au programme de cette nouvelle édition hivernale. Du ski de pentraide dans le massif du Mont Blanc, du parapente et de l'alpinisme en Himalaya, de l'escalade en terre de Baffin ou encore une traversée mer-fille de la Colombie-Britannique, il y en aura pour tous les goûts. Avant-première à Paris au Palais des Congrès ce lundi 18 novembre et toutes les dates de la tournée à retrouver sur le site de l'événement. Cette année encore, Trek s'associe à la Yeti Race, une course à obstacles atypique sur les hauteurs de Tignes en Savoie. Une belle manière de lancer la saison d'hiver. À cette occasion, le spot sera en live. Rendez-vous le 1er décembre à Tignes et sur votre chaîne Trek. Prenez du plaisir. C'est une course solidaire, moi je suis là pour passer le relais aussi avec les jeunes. Là pour la victoire, chronométrage. Est-ce que vous êtes motivés? Et pour ceux qui seraient du côté du Maroc, du 26 novembre au 1er décembre, le Swim Morocco Trek revient à Darla, une compétition de natation internationale en eau libre, ouverte aux nageurs amateurs et professionnels. 4 épreuves pour un total de 30 km de nage. Thank you.
départ de la course. Je suis avec Anne-Marie qui nous vient de Suisse et qui va prendre le départ sur la 100 km, peut-être 60. Déjà, pourquoi, comment tu t'es retrouvée ici, dans le désert, en Jordanie ? Alors, c'est dû à un partage d'une copine que j'ai rencontrée sur le Trophée Rose des Andes sur Facebook. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? J'adore marcher. La Jordanie, je ne connais pas. C'est un pays qui est quand même intéressant par son histoire, tout simplement, et par sa géographie. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire un voyage différent, avec une nouvelle découverte, en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire marcher. Alors, je vais le faire en marchant et non pas en courant. C'est ton premier trail ? Absolument. Voilà, alors c'est mon tout premier trail. Alors j'ai quand même un peu de stress parce que je ne sais pas du tout comment je vais le gérer. On sait que la première étape est une étape difficile parce que c'est une étape de montagne. Il y a du dénivelé. Alors ce n'est pas la première fois que je fais la montagne. J'ai fait le semi-marathon d'Aletsch, aussi en walking au mois de juin. Ça n'a pas été facile. Bon là, on est à 1950 mètres puis on arrive à 1650. Là, on est un peu moins, je crois à 1300. On verra. Comment est-ce que tu t'es préparée pour cette course, ce premier trail ? Alors j'ai beaucoup marché, comme j'ai la chance d'habiter vraiment à côté du Rhône. Alors j'ai beaucoup marché au bord du Rhône. Ce qui était bien, c'est que c'est un terrain qui est différent. J'entends dans le sens, il y a des différences. On peut être sur des cailloux, on peut être sur de la terre. Après, suivant le temps, s'il a plu, on est un peu sur la boue, ce qui rend plus dur. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des dévers. Alors je trouvais que c'était la solution, en tout cas pour moi, plus facile après le travail ou le week-end d'aller me préparer. Et j'ai fait quand même quelques kilomètres. Ouais. Et on a pu prendre aussi la température en Jordanie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ? Parce qu'on peut voir que la météo. Le soleil peut taper fort, il peut faire très chaud, comme il peut faire très frais. Voilà, comme en ce moment, ça commence. Alors c'est vrai que ça c'est quand même une préoccupation parce qu'on gère pas de la même manière une course avec une température tempérée de, je sais pas, 15-20 degrés à une température de 25-30 degrés. Alors c'est vrai, c'est quelque chose que j'appréhende. On verra demain le temps et je pense que suivant la météo, ça jouera sur le temps que je vais mettre pour le faire et puis sur le physique. Est-ce qu'il va tenir ou pas ? Ça, je sais pas. On verra. Tu viens de faire vérifier ton matériel. Exactement. C'est tout bon ? Oui, c'est tout bon. C'est bon, là, c'est bon. Quel est le matériel obligatoire pour courir ce trail ? Alors, c'est le sac à dos, les bouteilles, une couverture de survie, un sifflet s'il nous arrive quelque chose, un miroir aussi s'il nous arrive quelque chose, de la nourriture, parce que, c'est-à-dire à midi, il faut bien manger. Et puis, il faut surtout s'alimenter, essayer en tout cas de s'alimenter. Ce n'est pas toujours évident. Quand on discute avec les gens, on n'y arrive pas forcément, mais voilà, alors on a besoin de ça. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Un briquet. Et puis après, après la casquette pour le soleil, des lunettes de soleil aussi. Puis je crois qu'on a fait un peu le tour. Là, j'ai pas de... Ouais, est-ce que toi, t'as pris quelque chose en plus ? Oui, alors je pense que j'ai pris du magnésium en plus, franchement, pour les muscles, parce que je crois qu'ils auront besoin d'être un peu nourris durant le parcours. Sinon, non, parce que ce qui est aussi très important, en tout cas pour moi, c'est le poids. Parce que surtout, alors s'il y a la chaleur avec le poids qu'on porte, ça c'est extrêmement difficile à gérer. Mais on est quand même obligé d'avoir surtout l'eau. Le liquide, c'est ce qu'il y a, je pense, le plus important. Donc, il faudra gérer ça. Alors, c'est pour ça que je vais me limiter à ce qui est demandé pour éviter d'avoir le plus de poids possible. Je veux minimiser le poids parce que ça, c'est difficile, surtout s'il fait chaud. C'est difficile. Et j'aurai des bâtons aussi, j'ai oublié. Important, les bâtons. Tu te sens prête ? Je ne sais pas. Alors, franchement, je sais pas, j'ai beaucoup de doutes et je me dis, bon, c'est peut-être ça qui va me motiver. Je sais pas, c'est la première fois physiquement. J'ai eu un tout petit pépin, ce qui fait que j'ai pas pu m'entraîner ces derniers mois comme j'aurais voulu. Donc, c'est vrai que voilà, je me sens un peu faible, mais en tout cas, je vais essayer d'aller au bout. Si j'arrive à faire ces trois étapes, ce serait super. Déjà demain, c'est la plus difficile. Très bien, on se retrouve sur la ligne de départ demain. Avec merci plaisir. Beaucoup. Merci. Ouais, je suis prête. Alors maintenant, je ne sais pas comment ça va aller, mais là, je crois que c'est l'excitation. Il y a tout le monde, on est tous prêts. Je crois que il n'y a plus qu'à. Et on va voir si on y arrive. On va tout faire pour. Cool.
Anne-Marie et tous les coureurs de cette édition de la Jordan Running Adventure Race ont pris un même départ pour cette première journée. Certains se sont engagés pour une aventure de 165 km dans le désert, les autres pour une première étape de 21 km pour se mettre en jambes. Parcours dessiné dans le théâtre naturel du lieu au travers des vallées effilées où se cachent bien des merveilles entre quelques trésors naturels et vestiges historiques. De nouvelles couleurs à chaque kilomètre, de nouvelles rencontres à chaque virage. Loin de tout, les Bédouins assurent les ravitaillements et nous plongent dans leur culture. Alors que les coureurs du 60 et du 100 km terminaient leur première étape, les coureurs du 165, eux, continuaient leur avancée dans le désert. L'aventure continue au programme pour la deuxième journée. 52 km pour les coureurs du 100 km, 10 pour ceux du 60. En plein cœur du Wadi Rum, le parcours commençait dans les majestueux canyons du désert où le soleil faisait peu à peu son apparition. Deuxième jour, deuxième étape pour les coureurs du 60 et du 100 km de la Jordan Running Adventure Race. Les coureurs du 165 km, eux, continuent non-stop jusqu'à l'arrivée. Nous, on fait une petite pause sur la course, on vous emmène en Catalogne pour du parapente. Retour sur l'Acro Games 2019 en images. El AcroGame es una competición de acrobacia en parapente basada en un sistema innovador que no se había hecho nunca, que es a base de batallas uno contra uno. Cada uno de los pilotos tiene un turno para presentar una maniobra en contra del rival, ¿no? Entonces, si el rival no consigue hacer tu maniobra, se lleva una letra. El que tiene cuatro letras queda eliminado. La palabra acro marca las cuatro letras. Cualquier piloto que venga a la AcroGames sabe que tiene que venir con maniobras innovadoras. No cualquier piloto está preparado para esta competición. También la competición se hace sobre tierra. Normalmente las copas del mundo son sobre lagos. Aquí necesitamos pilotos de altísimo nivel que tienen la seguridad súper clara y que si tienen que utilizar el paracaídas de emergencia lo van a hacer bien, ¿no? Les meilleurs pilotes du monde entier ont encore une fois répondu présent à l'invitation d'Horacio Lorenz pour cette quatrième édition de l'AcroGame. Si l'Espagnol blessé n'a malheureusement pas pu prendre part à la compétition, les pilotes venus du monde entier ont assuré le spectacle.
après des demi-finales épiques. Le russe Egor Pozokin et le chilien Bicho Carrera se sont affrontés sur la petite finale. Dans ce duel, c'est le jeune chilien qui s'impose pour la troisième place. Finale 100% française. Comme l'an passé, les deux amis de longue date, Théo De Blick et Tim Allongi, se sont retrouvés à nouveau en finale de l'Acro Game pour un duel aérien engagé. Comme un air de déjà-vu donc, mais cette fois-ci, c'est Théo De Blick qui l'emporte et reprend sa couronne en Espagne. I started flying when I was 12 years old by myself. Before that, my father actually was a piloting instructor, so he brought me in tandem flying when I was 2 and a half, more or less. So I was always into paragliding. I lived on landings, on takeoff, and I spent my childhood there, my teenagers years in the takeoff. I flew all I could. And so basically when I was around 15, my dad allowed me to go and come here to train acro, because that's what I wanted to do. So since I was 15 years old, I spent all my summers there training with the best pilots, with Horacio, for example, who gave me a lot of advices. And that's how I entered the world of acro, by being there at 15 years old and training every day in order to become a professional, which was my ultimate dream, actually. I really want to give my best, and I'm a really mathematical person, so actually I plan everything and I plan every possibilities, all that could happen, and I have a plan for the whole season. I can say I'm really like hardworking, detailed person, but this all comes from the passion I have for flying, actually. Retour dans le Wadi Rum, les coureurs s'approchent de la ligne d'arrivée. Une dernière étape de 25 km pour les coureurs du 60 et du 100 km, suivie de près par ceux du 165. Depuis le début de l'aventure, les Italiens ont tenu le rythme jusqu'au bout. Victoire au général du 100 km de l'Italien Gabriele Alessandri en 13h41 devant sa compatriote Manuela Dalla Valle et le Belge Vincent Brouillard. L'Italien Giuseppe De Rosa remporte quant à lui le 165 km. Un grand bravo à tous les coureurs du premier au dernier, tous finishers de la Jordan Running Adventure Race 2019. L'aventure avec Anne-Marie, on finit l'aventure avec Anne-Marie, ouais. Au bout de 3 jours, 60 km. Un peu plus, 65 j'imagine. 65 km, comment est-ce que tu te sens à quelques mètres de l'arrivée, une centaine de mètres de l'arrivée? Alors écoute, je me sens
me sens pas vraiment fatiguée, je suis très nauséeuse. Alors c'est difficile à gérer, je trouve que c'est ça qui est difficile à gérer. Mais je suis contente, alors j'ai pas encore franchi la ligne, donc on va pas... Mais si j'arrive à la franchir, franchement c'est une victoire. C'est génial, c'est... puis je crois que c'est aussi un beau cadeau d'anniversaire, la semaine prochaine c'est mon anniversaire. Donc voilà, je crois que... ouais c'est chouette, franchement c'est super à faire. Je conseille à tout le monde de faire ce genre d'aventure. Même des gens comme moi qui ne sont pas des grands sportifs marathoniens, on peut le faire. Bravo à toi. Merci. Et bon anniversaire un peu en avance. Merci. Et on te retrouve sur la ligne dans quelques instants, dans 30 secondes. On termine cette émission avec le chef d'orchestre de ce Jordan Running Adventure Race, Franck. Bonjour, merci d'être avec nous et merci et bravo pour cette aventure dans le désert jordanien. Tous les coureurs ont passé la ligne d'arrivée. Comment est-ce que tu te sens ? Après un tel événement, on est, je dirais, j'ai beaucoup de tranquillité en moi. Après trois jours de stress, parce que dans le mot Jordan, il y a le mot aventure et c'était une belle aventure. Mais quand on crée de l'aventure, il y a toujours des risques et on a toujours en tant qu'organisateur des responsabilités sur la sécurité, sur l'engagement des participants. Et là, aucun abandon, tout le monde est arrivé. Donc beaucoup de plaisir aujourd'hui. Tout le monde est arrivé avec le sourire. On a pu voir la beauté des paysages ici dans ce désert du Wadi Rum. Comment est-ce que tu as dessiné ce parcours ? Bah moi déjà, c'est un pays que je connais depuis près de 20 ans. Donc... je commence à bien connaître ce désert et ben, en fait il y a deux points importants. Il y a Petra avec son histoire et donc les montagnes de Petra qui nous accueillent et qui permettent de vivre une aventure, je dirais, un peu plus montagneuse. Et puis alors le désert, ben, c'est surtout du sable et puis avec un décor de films, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est à tous les coins de désert, c'est la beauté, on est ébahi, on est surpris. Et donc, pour les coureurs, je pense que c'est aussi une découverte d'un pays et d'une région, quoi. Et différentes courses, on a le 165 km non-stop, on a un 100 km, un 60 km, et du coup, différents profils de coureurs. Est-ce que tu as aussi imaginé les tracés pour pouvoir offrir cette expérience à tous les coureurs ? Ben voilà, en fait, l'idée, c'est qu'il y ait ce dépassement de soi. Donc, ceux qui terminent chaque épreuve, aussi bien que le 60, le 100 km et le 165, ils savent sur quoi ils s'engagent. Et leur but, foncièrement, c'est peut-être pas de gagner, mais c'est de finir l'épreuve et de se dépasser. Et je pense que là, ils ont tous eu, à taper un peu dans leur intérieur et à vivre quelque chose en eux. Et je pense que c'est ça qui rend la beauté de cette course aujourd'hui. L'édition 2019 n'est pas encore tout à fait finie, il reste cette dernière soirée pour fêter tout ça. Mais est-ce que déjà, il y aurait un moment que tu retiendrais sur cette édition ? Un moment fort ? Ah oui, moi j'ai eu un moment fort, c'est étonnamment, c'est quand j'étais seul, j'étais devant, j'étais en train de rebaliser le parcours. Et à un moment, j'ai décalé le parcours d'une centaine de mètres et je suis monté sur une énorme dune. Je me suis dit, mais je ne vais quand même pas leur faire ça. Et quand je suis arrivé en haut de la dune, il y avait un panorama extraordinaire. Et je me suis assis là 5 minutes, j'ai dit, mais quand ils vont arriver là, ils vont me dire, pendant toute la montée, ils vont maudire. Et quand ils vont arriver en haut, ils vont être extasiés. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est des petits ADA d'organisateurs. C'est-à-dire qu'on change un petit peu le parcours et on crée un moment d'émotion. Il y a un coureur qui m'a dit, je me suis resté 3 minutes, je me suis assis, j'ai contemplé ce qu'il y avait devant moi. Et là, je me suis dit, ben voilà, on a réussi un peu cette organisation, quoi. Une très belle organisation, un grand bravo à toi et à toute l'équipe derrière toi, parce que nous, on t'a suivi en train de baliser. Il y avait aussi Philippe qui faisait la course avec les derniers, les Bédouins sur les CP. C'est toute une équipe, tout un travail d'équipe. Ouais, bah nous c'est familial en plus avec Maxilène et Taina qui sont impliqués dans le projet depuis de très longtemps. Taina est venue dans le désert, elle avait 4 mois, donc les Bédouins la connaissent. C'est un peu notre petite maison, ce désert du Wadi Rum. Et puis il y a tous ces Bédouins autour de nous et puis on a la garde rapprochée avec qui est derrière nous, notre équipe qui nous suit sur tous nos événements, aussi bien aussi sur le Trail Côte d'Opale
ou les choses qu'on peut organiser ailleurs. Donc on est content un peu de les exporter, de sortir un peu de France. Je pense que c'est une récompense pour eux et puis c'est aussi beaucoup de bonheur de partager ces émotions. Le Trail Côte d'Opale, la Jordan Running Adventure Race, quelle est la suite pour toi ? Le prochain événement, là, c'est dans un mois, nous organisons le Boulogne-sur-Mer Urban Trail Côte d'Opale. C'est la 4e édition, il y a 3500 participants, c'est un bel événement qui là aussi fait découvrir une ville une ville historique où il y a beaucoup de choses à raconter, avec beaucoup d'escaliers, beaucoup de montées. C'est un petit Lyon, il paraît, donc on est content d'avoir s'être inspiré du bel événement lyonnais, d'en faire un peu pour nous faire la promotion d'une ville du haut de la France, du nord de la France. Et déjà un rendez-vous en Jordanie en 2020 ? Oui, voilà. Alors, on cherche vraiment la date parce qu'on s'est aperçu que là, en octobre, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de touristes. On avait du mal à réserver les endroits pour les coureurs, etc. Mais bon, on va rester dans des périodes similaires. On va bien s'adapter. Le format plaît, pour nous c'est compliqué, trois courses, mais le format plaît parce qu'on a vraiment toutes sortes de personnes et qui, j'ai vu des gens du 100 km qui m'ont dit moi je tenterai bien le 165 l'an prochain, donc c'est bien parce qu'on va donner envie à des personnes qui peut-être n'avaient jamais imaginé de vivre encore plus l'aventure. À suivre, merci beaucoup Franck. Merci Mathilde. C'était la Jordan Running Adventure Race. Un grand bravo à tous les coureurs de cette édition 2019. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Spot. À très vite sur Trek.